Ma chance. Tu viens en Côte d'Ivoire que pour faire la mort. Bon. Oh Dieu paix. Dieu paix, Dieu paix. Donc, si je comprends bien, tu es en train de fuir. Toi et moi, on a quoi? Toi et moi, on a quel problème? Non, non, grave, t'es demandé. Si je comprends bien, tu es en train de fuir. Mon frère, non, écoute-moi. Oh, grave, écoute-moi. Regarde. Dans la raison, c'est qui va payer? On ne se connaît pas. Qui va payer la raison? Je rentre au Cameroun, pardon. Pardon, ne me dis. Si je ne vais pas t'aider avec toi. Voilà. Viens, on ne m'arrête pas, c'est quoi? Viens, je vais te blesser. Et quand tu quittes le Cameroun, tu n'as pas payé une maison ici. Tu comprends? Je t'étais avec toi. Hein? Je t'étais avec toi. Mais la maison là, c'est moi qui gère la résidence. Donc, maintenant tu fuis, tu vas où? Tu vas où? Attends, je fuis à Côte d'Ivoire, mon frère, c'est quoi? Mais oui, le problème c'est quoi? Je fuis ici à Côte d'Ivoire. Mais paye la résidence. Je rentre au Cameroun. C'est quoi? C'est moi qui ai signé. Mais attends, vous n'avez pas honte. Viens, hein? Écoute-moi, faut éviter. Oh, regarde. Faut éviter que ça rentre. Regarde où je suis. Oui. Je vais te un genre que tu vas être même fou. Tu me connais? Et si tu me connais, tu me connais. Pourquoi je te connais par rapport à quoi? Tu as fait déjà 2 semaines ici, tu ne veux pas payer, puis tu sors, tu fuis comme un voleur. Si je rate mon avion, si je rate mon vol, je suis en train de pas rentrer au Cameroun, c'est quoi? C'est quoi? Mais moi, je n'ai pas de problème avec toi, paye la résidence et puis tu pars. Ça, c'est moi qui ai pris les engagements là-bas. Mais qui a dormi là-bas? Pardon? Qui a dormi là-bas? Je t'en pardonne, laisse-moi, tu es là pour qu'on soit sur les. Mais frère, il faut éviter les histoires. Évite les histoires. Rends-moi mon argent et tu pars. Tu crois la veste que tu touches là? Hein, c'est quoi? Tu sais combien coûte cette veste? Ça coûte combien? Tu sais combien coûte? Je ne cherche pas à savoir. Tu sais combien coûte? Il y a même mon argent. Qui a signé là-bas? C'est moi, c'est pas mon petit. C'est pas ton petit qui a dormi. C'est Zizou. Oh. Hé, hey, c'est pas ton petit qui a dormi. C'est pas ton petit qui a dormi, c'est toi qui a dormi. Attends, toi, tu avais des problèmes avec moi. Oui, il y a des problèmes avec toi. Tu avais un problème avec moi. Mais la façon dont tu sortais pour fuir là, c'est pas irresponsable de ta part. Ah, c'est pas responsable. Hein. Viens, arrête ça. Ouais, je vais arrêter mon vol. Viens, arrête ça. Regarde, tu vois que vous allez chercher des coups de matin. Risque de mettre un autre sur ta tête. Tu descends encore. Hein. Tu me connais pas bien. Hein. Non, viens, moi, on m'a appris de ne pas bousculer les grands. Je veux juste mon argent. Je vais pas t'éteindre avec toi. Viens, je veux mon argent. Je vais pas t'éteindre avec toi. Je vais pas t'éteindre avec toi. Viens, ne me pratique pas, je veux mon argent. Mets de l'or. Tu as fait quoi? Attends, tu as fait quoi là? Tu prends tes coups de pied contre le pangolin. Tu as fait quoi? Non, je voulais mon argent. C'est tout. Tous les Camerounais sont là rentrés. Laisse-moi rentrer chez moi. Non, mais paye et puis tu. Laisse-moi rentrer au pays. Paye et puis tu rentres chez toi. Tout le monde est rentré au Cameroun. Laisse-moi rentrer. C'est quoi? Paye mon argent puis tu rentres. C'est pas moi qui ai signé les arrangements. Mais c'est qui a dormi? C'est mon petit Zizou qui a. C'est qui a dormi? Elle appelle. C'est quel comportement ça? Toi et moi, on ne se connaissait pas avant. Toi et moi, on se connaissait. Tu ne m'attendais pas en Côte d'Ivoire. Tu connais les maisons que j'ai au Cameroun? Je m'en fous de ça. Si on pouvait porter la maison, venir avec la Côte d'Ivoire, tu vois, c'est que j'ai jongle. Qui n'a jamais de maison au Cameroun. Ah, si j'avais une maison au Cameroun, tu n'allais pas sortir comme ça, comme un abruti. Un pauvre jongleur. Tu n'es qu'un jongleur. Un pauvre. Voilà. Moi, je m'en fous de tout ce que tu dis. C'est que tu me dois 295 000 francs. Oui. Faut mettre ça dans ta tête. Oui. Et puis tu fuis, tu laisses la maison frionner. Le courant, c'est toi qui payes. C'est toi qui payes le courant. C'est ta maison. C'est pas pour ton père. Mais c'est la même, mon père, c'est pour moi. Tu n'as pas honte. À l'âge, si tu suivais les biens de ton père. À l'âge, si toi aussi, tu dois donner une résidence. Tu dois t'acheter une maison. Je suis à Côte d'Ivoire. Ah, oui. Je suis à Côte d'Ivoire. Uh-huh. C'est toi là-bas, est-ce que toi, tu as maison? Tu me connais mal. Mais tu t'appelles de moi, non, mon frère, c'est quoi? Mais tu t'appelles de moi, non? Ok. Oh! Oh! D'où parce que je suis chez vous? Ça n'a rien à voir, moi avec mon argent. Ah, tu es le chien, mon frère. Tu es Médor. Tu es un pitbull. Allô? Zizou. Ouais, mon petit, je dis, hein. Tu es où? Ah, c'était que je voulais encore la checker. Moi, j'étais en train de rentrer, il y a le gars de l'appartement là qui m'a stoppé. Il m'a arrêté, il m'a arrêté. J'ai dit que mais c'est pas moi qui ai pris les engagements. L'enfant du père là, non, le coup. Pas sa fille, le coup, oui. Pancho, oui. C'est lui.
Il dit que je ne bougeais pas, que tu n'as pas payé. Ok, nous sommes là au couloir là. Je voulais sortir pour aller. Ouais, j'ai vu une délégation, j'ai vu une délégation. Il y a Kotele, il y a Kotele qui m'a dit qu'il a un petit car. Ça peut nous laisser même vers Fouman. Donc je courais comme ça pour entrer dans la délégation pour lancer. Comme je n'ai pas le pied d'avion là. Ok, je t'attends. Regarde, papa, Pancho. Regarde, nous sommes. Mon gars, tu es en train de crier, non? Regarde. Tu criais, non? Regarde. Moi, je veux mon argent, c'est tout ce que moi. La violence ne mène nulle part. La Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est les enfants de la même mère. Je ne sais pas pourquoi toi tu crois que la force a déjà résolu un problème. Mon frère, nous sommes venus ici là supporter que les lions. Nous étions au nombre de 17 au départ. À la tête, on avait un gando. Nous sommes entrés ici en Côte d'Ivoire. Après, il a commencé à organiser son action personnelle. On a seulement vu sur les réseaux sociaux qu'il a reçu l'argent. Quand tu as vu que j'ai venu me loger là-bas, c'est parce qu'il m'a récupéré quand il y a Moussoukrou. Je dormais que devant un bar. Maintenant, je ne sais pas qu'il me dit comme ça pour que je paye. Tu m'arrêtes que je veux payer avec quoi, papa? Je veux payer mais avec qui quoi? Mais qui gère ça? Qui gère ça? Regarde, c'est pas moi qui ai signé. C'est pas moi qui ai signé. Non, mais on fait comment? On fait comment? Papa, laisse-moi rentrer. Je veux rater le cas. Il te dit que j'ai une délégation camerounaise. Appelle quelqu'un de ton pays là-bas. Ils vont faire, ils vont transférer l'argent. Parce que moi, il doit payer les frais. Papa, pardon. Non, ne me dis pas pardon. Vas-y, la constitution, là. Tu sais comment on construit Pancho, une maison. Pancho. Pancho. Non, faut pas, il va partir. Non, attends, Dieu, toi, moi, n'a jamais eu de problème. Mais regarde. Hé, hé. Grand, tu partais où? Je rentre. Donc, je rentre. Sans me dire. Tu dis que tu es ma femme, mouf. Je rentre. Sans me dire. Tu dis pourquoi? Donc, tu partais pour me laisser ici. Nganda dit à qui? Chacun rentre comme il est venu. Pancho. Dieu, toi, moi, on est en Abidjan depuis. Je ne sais pas pourquoi on qui partait. Je sais pas. Mais comment toi, tu peux m'envoyer quelqu'un qui peut me faire du mal? Tu connais le confort qu'on a mis dans cette maison, pourquoi on reçoit le confort? Tu m'as dit que c'est une personnalité publique. Non? C'est un responsable. Ah, tu m'as dit que c'est un responsable. Je ne suis pas responsable. Mais ça se voit que tu n'es pas responsable. Bon, tu m'amènes ici en Côte d'Ivoire. Pancho, même dans la vie, donc ça va, n'admettons pas tout le quartier. Dans la vie, parfois, on apprend à peine. Dis-lui que je suis monsieur, que je suis. Dis-lui que je suis malade. Hein. Pancho, je le diabète. Tu m'arrêtes ça. Le docteur dit qu'on ne doit pas crier où je suis. Il veut mon argent. Pourquoi vous les Camerounais, vous êtes malhonnêtes? Dans le travail, vous êtes malhonnêtes. En tout, vous êtes malhonnêtes. Même quand vous sautez à la femme, encore là-bas, encore vous êtes malhonnêtes. C'est quoi le problème? Quelqu'un qui est en santé pour avoir le ventre, c'est toi. Oui, il cherche pas ça. Oui, regarde le ventre, c'est quelqu'un qui est en santé. Il reste au Cameroun, il sait que les malades, il est venu ici. Il est venu. Dis-le que, explique-le que je suis venu ici, qu'avec les Ngando, on se sépare. Disloqué, on se séparé. Chacun maintenant joue à son personnel. Moi, je vais à la MD, il faut que je rentre. Papa parle. Et c'est conscient. Même quand Gando a lancé le jet, lui aussi voulait parler. Gando a refusé. Que non, pas dans mon Jésus, tout ce qui m'arrive ici, c'est toi. Le respect que j'ai pour toi, là, ça coule, ça, tout cela m'arrive. Le cas va partir me laisser. Alors, grand cas. Voilà ce que. Gars, pardon, ça plus nous vient gérer le retour pour nous, pardon. Il est là. Regarde. Pas seulement besoin. Allô? Regarde où? Le crabe m'a arrêté, pardon, viens me faire sortir ici. Oui, ce petit caillou qui casse gros mato. Il ne sont pas long, c'est pas long. Grand cas, hier qu'on partait manger à Tchèque, il a demandé un couloir, tel que Fingon. Je l'ai mis là-bas. Voilà. Ouais, laisse le filon, viens d'abord, c'est grave. Viens gérer le retour, c'est pardon. D'accord, bon, ça va. Il arrive. Mais Pancho, à un moment donné, vous dites que la Côte d'Ivoire, c'est un pays d'hospitalité. Tu vois quelqu'un qui n'est pas en santé. Un monsieur qui est âgé comme ça, il n'est pas en santé. Mais quand tu sais l'hospitalité, que l'hospitalité, là, écoute-moi, va là-bas. Quand tu sais que tu es malade, tu restes dans ton pays. Tu ne peux pas te soulever dans une maladie. Évite ça avec moi. Il me doit être son gars. Il me doit toi. Okay. Il me doit. Cause avec lui. Moi, c'est. Cause avec lui. Quelle hospitalité? Sans chose d'inquiéter où? Mais c'est la dernière fois que je viens en Côte d'Ivoire. Comme je suis venu là. Plus jamais même pour me payer ici. Jésus, quand il est venu. Mais Jésus, il y a quoi? Il y a quoi? C'est là, voilà, grand cas. C'est le grand frère qui a un problème. Grand Fingon. Donc tu es comme tu ici. Mais grand, je suis là. Jésus m'a dit, me colle seulement que papa, tu as un problème. Papa, le problème, c'est quoi? Voilà la magie. Mm-hmm. Je suis venu ici là, on avait un de troupe. Yes. Avec les Ngando, avec les petits piments. Mm-hmm. Où on venait supporter les lions. Nous sommes venus, si on a fait le modèle, ça n'a pas marché. Maintenant, on s'est divisé. Mmh. Il n'y a que le côté de Ngano qui mort. Oui. Maintenant, le petit m'a vu à Yamoussoukou. Jésus m'a vu à Yamoussoukou. C'est où il a vu le domaine de Vemba. Voilà comme il m'a porté. Mais
venu me mettre chez la grande du type-ci. Maintenant, j'attends 6 jours que je rentre comme un grand. Je négocie les billets d'avion. Je veux faire le direct, il me bloque. Je veux faire le SMS. Vidéo. Pour le SMS. Que les gens m'aident, ils bloquent. Les choses des influenceurs, là, il y a dit qu'il n'en pas dans ça. Les choses des influenceurs, il y a dit qu'il n'en pas dans ça. Que calme-toi, Tchanga m'a tué. C'est quoi le problème? On m'a appelé le matin, il y a un de mes frères là, yes. Côtelet. Il m'a dit qu'ils sont rentrés par route. Mm-hmm. J'ai négocié, on m'a trouvé une place dans la voiture. J'ai sauté maintenant pour partir comme ça, ils sont en train de m'attendre. Le gars, il me bloque depuis, Zizou n'a pas payé. J'ai dit non, pardon mon frère, c'est pas moi qui ai négocié, c'est Zizou. Mais c'est pas toi qui as dormi. Eh petit frère, tu manques le respect mon grand. Grand Fingon au Cameroun, l'espoir de tout un continent, petit frère, tu veux les bloquer ici. Tu ne t'aimes. Voilà. Petit frère, tu ne t'aimes. Non, parle. Mais il me doit, non? Il te doit quoi, mon groupement, petit voilà. Frère. Maintenant, c'est avec toi, laisse-le. On ne manque pas le respect, mon grand. Parle. Tu non? Parle. Mon groupement. Parle encore. Quand t'allumes là, comme un truc. Il peut même encore allumer pour voilà. Le manque de respect. Hey. Là. Il s'est évanoui. Il est dingue. Non, c'est le modèle. Là. C'est le modèle. Ta boue ne sort plus. Mais petit frère. Laisse-le dire encore. Mais tantôt tu m'appelles tuer quelqu'un. Non, laisse, c'est le modèle. Bon. Pas alors, pas prendre ton bus. Je me dégage. Fais gaffe. Garde grand, toi tu peux à moi, il fait comment. Non, laisse, c'est le modèle, on connaît. J'ai dit qu'il y a grand. Donc, toi, tu passes. En tout cas, pas d'abord, on va te voir au Cameroun. La dernière fois. Juste la dernière fois. Non, de... Moi, je ne peux plus te faire confiance. Laisse-moi, je sais pas où je vais arriver dans 4 jours. Gando fait confiance à toutes aux autorités, ça va marcher. Moi aussi qui? Pas d'abord. Grand, tu es en train de rentrer au Cameroun. J'espère que tu connais qu'on a augmenté tout là-bas, le carburant, le gaz. Viens, c'est grave, tu m'as donné l'information le matin, c'est grave au pays. Dis-lui. Quand on a augmenté tout au Cameroun, le gaz, le crédit, le carburant. Le super est devenu 905 francs. On dit que c'est en cours de télévision, mais c'est ce qu'on va valider. Le pétrole, le gazole, 900. Le gaz est devenu 7800, c'est grave. Quand ils ont augmenté tout, et qu'on a réellement arrêté Boga, je m'en fous. D'accord. Mais toi, tu nous laisses avec le corps du gaz, sinon on va faire comment? Calme-toi sur le modèle, je connais, non? Regarde. Lui-là, il passe tout son temps à attaquer, mais il n'est pas fort. Viens. Viens, on se cache ici, tu vas voir qu'il va s'élever. Viens. Mais petit frère, il faut lui faire le bouche à bouche. Non, laisse, c'est le modèle. Il attaque toujours, mais il n'est pas fort. Il va s'élever. Viens. Viens, on se cache ici, tu vas voir. Ils sont partis. Mais c'est un modèle. Le petit frère, ça va, il a lui-même encore là-bas. Ça, c'est pensé qu'il est allé. C'est qu'il fait, il attaque, mais il n'est pas fort. Grand 40, tu crois? Le petit frère, paye mon retour. Le retour de Fingon, tu as géré, c'est mon retour. Le retour de Fingon, tu as géré, c'est mon retour. Le petit frère, c'est toi qui m'as appelé avec le nom, non? En tout cas, on va d'abord, tu vas partir.